Bonjour les chéris, nouvelle journée, nouvelle route, ça y est là je suis partie en direction pour l'instant de Mauriac. J'ai vu le commentaire, ton commentaire pour que j'arrête chez toi la Banette, mais là c'est férié donc ton magasin doit être fermé, donc ça vaut pas le coup que je m'y arrête. J'ai quand même pas les toquer à toutes les portes pour faire un petit coucou. Donc je te fais quand même un petit coucou via vidéo interposée. Et merci de ton invitation de nous arrêter là-bas, de nous arrêter. Mais il n'y a que moi qui prends cette route du côté de Mauriac. Rissa a décidé de prendre une autre route. Voilà. Parce qu'elle ne connaissait pas l'autre route, donc elle avait envie de la prendre. Et on se rejoint en fin de journée, ou je ne sais jamais à quelle heure. On se rejoint, voilà, à Bercey, c'est tout à côté de Clermont-Ferrand. Nous allons rendre visite à une amie du groupe Crossing de Crissa. Je ne sais pas si elle acceptera que je la filme. J'aimerais bien la filmer, lui poser quelques questions par rapport au groupe Crossing. Ça pourrait être sympa, comme ça, toujours intéressant. En tout cas, moi, je suis un peu contaminée parce que de vivre en camping-car, ben, ça y est, je me remets à lire et ça fait du bien. Ça fait du bien de se remettre à lire, de prendre le temps le soir de bouquiner. Surtout que là, j'ai attaqué par un livre très intéressant, la petite voleuse de livres. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. Et là, je roule, comme d'habitude et comme ça sera toujours. Tranquillement. Je vais essayer de te faire voir un petit peu le paysage qui est très 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 beau. Je pense que le chemin que Crissa a pris sera plus verdoyant parce que moi j'ai pris un peu le contour alors qu'elle est passée en plein milieu. Chacune son chemin. Voilà, pardon, je suis à Rion et Montagne. En plein milieu du volcan, petit arrêt, petite pause, j'ai encore faim. Ouais, vous allez me dire qu'elle a toujours faim, Crissa. Oui, elle a souvent faim, voilà. Et puis, quand elle a faim, elle mange. Voilà, là derrière, il y a un chemin pour faire une rando. Voilà. Mais il fait pas très chaud, hein, un peu frisqué là. Bon, je vais voir ça un peu plus tard. Il y a des sculptures. Voilà. Il y a une autre un peu plus loin. Je marche doucement pour que ça ne secoue pas trop. Et encore là-bas. En attendant, Domino, il fait ses affaires. Foxy qui gare là. En fait, nous sommes sur le parking du terrain de sport. Il y a tennis là derrière, il y a terrain de foot. Voilà. Notre sculpture. C'est très joli, c'est qu'en fait, ce sont des rochers. Et juste taillé dans les rochers. Tiens, il y a un autre chien là. Domino a trouvé un copain. Aussi poilu que lui. Eh bien, c'est bien. Ben, moi, en attendant, je continue à regarder les sculptures. C'est très joli. C'est juste fait sorti un tout petit peu de la roche naturelle. J'aime beaucoup. Et un autre ici. Oups, il y a un trou. Ah oui. Et voilà, encore des tables de pique-nique. Et l'eau.
J'aime beaucoup le bruit de l'eau. C'est très apaisant. Hier, je voulais filmer absolument la limousine, c'est-à-dire la vache, enfin le boss, enfin tu l'appelles comme tu veux. Enfin bon, de la meumeux, parce que quand même, en plein au pays, bon, de la bonne viande. Donc là aujourd'hui, j'essaie. À chaque fois que j'allume le caméscope, c'est trop tard, le temps qui s'allume, j'arrive pas à en filmer. Alors du coup, par WhatsApp, j'ai donné ça comme défi à Chrissa, à celle de nous deux qui filmerait le plus de meumeux. Alors on va voir sur sa route si elle a des meumeux ou pas. Moi j'en ai, mais à chaque fois, soit je peux pas les filmer, ben oui je conduis quand même, soit c'est trop tard, il y a toujours quelque chose, hein, du coup ça me fait beaucoup rire. Ben oui, je rigole toute seule, j'ai pas besoin de beaucoup pour rigoler. Par contre hier, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je me suis quand même arrêtée dans une boucherie pour m'acheter un petit peu de viande. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas mangé de viande rouge. Et je me suis fait un petit tartare, voilà, de limousine. Et c'était bien bon. Alors là, il y en a, mais bien sûr, elles sont cachées. Ah, les coquines. Ben oui, c'est en pente et tout. Elles sont dans tous les coins. Je vais encore essayer d'en trouver. Sans parole, juste pour écouter l'eau.
Donc nous sommes le 9 au matin. Oui, ça se voit, je suis encore avec vous. En tout cas, vous avez vu que la route de Christa n'était pas la même que moi. Je n'ai pas encore vu la route Ambre, hein, mais j'ai vu ma route à moi. Hein. Par contre, je t'avais dit que je pensais que la route de Christa serait plus verdoyante. Et finalement, c'est moi qui ai mis beaucoup plus de verdure. J'étais sur une partie, j'ai traversé les volcans. Et les volcans, c'est pas très boisé, donc c'est plutôt aride. Ouais. Et j'ai essayé de filmer parce qu'à un moment donné, j'avais des magnifiques, des tapis de fleurs jaunes. Je sais pas si ça se voit beaucoup, j'en ai vu un petit peu quand même. Donc voilà. Mais bon, j'ai filmé quand même le barrage. Hein. C'était tellement impressionnant. Ouais. Ça, c'est pas vraiment de la verdure. Non, c'est plutôt mouillé, ça. Bon, sinon, on a passé une super soirée. Ouais, c'est vrai. Avec mon ami Aladine. Vraiment, ce sont des gens adorables. Mmh. Vraiment adorables. Et je suis déjà restée ici. Je me suis déjà arrêtée ici l'année dernière au passage. Et vraiment, ce sont des gens adorables. Ouais. Ils m'ont vraiment accueillie très, très gentiment, très généreusement. Mmh. Alors qu'ils ne me connaissaient pas. Vraiment très, très bien. Donc, c'est Aladine ou Vive Neuf. C'est son pseudo book crossing. Voilà. Vive Neuf. Voilà. Donc, tu la verras une autre fois plus tranquillement parce que j'ai fait une vidéo de rencontre un peu avec des book crossers que Christa va s'occuper. Ouais. Est-ce que tu as envie de dire autre chose? Malgré la pluie, tout va bien. Oh, bon. Je suis heureuse
parce que de temps en temps, il y a un petit peu de soleil, ouais. Mais très timide. Ouais. Mais hier, on a été accueillis par une grêle. Je ne sais pas si tu as regardé sur Instagram, j'ai filmé. C'était des pépins d'orange, ouais. C'était impressionnant. Ouais. Moi, j'ai eu un peu peur quand même. Ben, en vrai, elle est arrivée ici hier soir, elle est arrivée environ 1h30 avant moi, à peu près. Mmh. Donc, elle a chopé la grêle, elle a chopé la grêle ici. Et moi, j'ai eu que la grosse, grosse plume, vraiment énorme, énorme. À un moment donné, j'ai filmé aussi, et encore, c'était pas le plus gros. Mais la grêle, j'ai pas eu. J'ai la chance. Oui, parce que là, c'était bien. Ou sinon, on est quand même à 900 mètres d'altitude, donc normal. Mais alors, les paysages, je le dis pendant que je filme et je le redis, c'est magnifique. C'est super. Quand on aime la montagne. Oui, mais après, on n'est pas obligé d'y rester. Oui, mais en tout cas, c'est beau. Voilà. C'est très beau. Moi qui ne suis pas un fan vraiment de la montagne, mais c'est vraiment très, très, très beau. C'est vert, c'est tout. Toute la verdure explose, là, vraiment, parce qu'en plus, il fait pas trop froid, quand même, ça va. Non, il avait fait un peu de soleil privé, donc tout va bien pour Madame la Nature. Et là, il pleut, il s'arrête, etc. Ouais, donc, c'est pour ça qu'on te dit au revoir, juste après le petit déjeuner. Qui n'est même pas encore terminé. Mais en fait, au départ, on voulait tourner à l'extérieur, mais bon... Il y a un joli lavoir et tout à côté, mais bon, c'est même pas la peine. On a préféré de se réfugier dans le quand même. C'est plus sûr. Il ne pleut pas d'enfants. Ah, puis autre chose que je voulais te dire. Parce qu'à un moment donné, je te dis dans la vidéo que je lance un défi à Chrissa pour les meumeux, celle qui en filmera le plus. Oui, mais j'ai pas vu cela. Oh, voilà, elle n'a pas vu, elle n'a pas entendu. Parce qu'elle a passé sa journée à faire tout tomber de son tableau de bord. Donc, hier, c'était la journée, ça tombe chez Chrissa. Les 25-30 premières minutes de mon voyage, hier, je me suis arrêtée 4 ou 5 fois. La première fois, c'était la porte de ma douche qui n'était pas fixée. Ensuite, là, je me suis arrêtée 2 fois parce que je ne trouvais pas au début. Ensuite, il y a mon jolie installation pour le caméscope. Boum, ça a cassé la figure. 3 km plus loin, et bien, c'est les téléphones qui tombent. Téléphone qui sert de GPS, donc fondamental aussi quand même. Hein. Qui sert GPS et qui me filme aussi quand je roule. Donc le défi est vraiment tombé à l'eau. Désolé, j'ai vu plein d'émeutes, j'ai même entendu des cloches et tout ça. Mais je ne les ai pas filmés. Hein. Mais c'est vrai qu'elles ont des grosses, grosses cloches. Ouais, ouais. Un joli son. Comme dans les Alpes. Oui. Les Alpes, mais c'est un joli son. Je connais ça dans les Alpes. Donc pas de meute de Chrissa hier. Bon. Désolé. En un mot commençant, voilà. Au revoir le défi. Au revoir mes chéris. À bientôt. Bonne journée. Ciao.